Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour ce nouvel épisode de Creativerse. Alors oui, je suis un petit bain là pour le moment, parce que je suis allé farmer un petit peu 2-3 ressources et j'ai pris un peu de dégâts. Donc je me suis fait une espèce de piscine régénérante là. Voilà, ça va bien. Donc, je n'ai pas pu aller voir. J'ai eu une idée à un moment, je me suis dit tiens, ce serait bien. Est-ce que ça marche comme Minecraft? Eh ben non. Alors... Quoi est-ce donc? Je me suis dit, tiens, dans Minecraft, des fois, pour arriver à descendre dans des endroits un petit peu plus profonds, bah, on utilisait l'eau. C'était quand même bien pratique. Bah, ici, ça marche pas. L'eau, on tombe comme une pierre terminée. Donc, bon, alors, faut que je trouve de la stalactite pour me faire des pierres. J'en ai plein, la stalactite. Voilà. Donc, pour me faire des potions de résistance. Ah, la corruption. Voilà, je vais vider mon inventaire où je peux. Parce que j'ai récupéré 300 millions de trucs. Que la plupart, je ne sais pas si ça va me servir. Je vais prendre ce coffre-là. Voilà. Et je vais tout balancer. Hop là. Voilà. On va poser le coffre. J'en ai déjà posé un de plus. Voilà, bon, hop ici. Et voilà. Je me dis, ça va être le bordel de toute façon. Hein, donc, autant que ça reste le bordel. Ça, je vais garder le bois quand même. Ça, j'en m'en fous. Ah oui, j'ai trouvé du nouveau bois. Bon, ça, faudra que je le voie après. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça aussi. On n'en veut plus. On n'en veut plus. L'eau toute seule, on n'en veut plus. La bouffe, on n'en veut plus. Ah oui, si. Bah, en promenant, j'ai looté un nouvel item. Bien pratique. Donc, alors attendez, je finis. 21 quand même encore. Toi, reviens là. Même si tu vas pas servir énormément. Ok, bon. Le reste, je vais garder. Donc, j'ai looté un nouvel. Donc, c'est Waterred Wood Wall. C'est en tapant les espèces de cochons squelettes là. Ça m'a droppé ça. Donc... Ah, je l'ai déjà unlock. Ok, j'étais persuadé que non. Bah voilà, bon bah hors poubelle. Voilà, donc je pensais avoir trouvé un nouveau truc, mais non. Waouh, j'ai l'armure qui commence à tirer la gueule là. Hein. Qui... Bon, on fera avec. Donc, je me suis fait des potions pour la corruption. Et ben, on va essayer de partir en chasse pour descendre et aller dans ce biome corruption. Une bonne fois pour toutes. Aller poutrer les mobs dans ce biome. Alors je me suis aussi construit un autre diamond mining cell. Hein, parce que celui-là, il reste plus qu'un tiers. Donc j'ai peur qu'il me lâche en cours de route. Allez, c'est parti. 8. Bon, je pense que la série, fin janvier, je stopperai donc la série avec ce jeu-là. Et bien sûr, je démarrerai sur une autre que vous connaissez et que j'ai déjà annoncé plusieurs fois. Ce sera Stoneheart. Ça, vous deviez vous en douter. C'est bon, non, c'est vrai que j'avais bloqué par là. Donc, oui, je vais stopper. Le jeu est sympa, mais je pense qu'il commence à atteindre un peu les limites. On atteint un petit peu les limites du jeu. Donc, bon. Ah, est-ce que c'est... Le problème, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est super haut ou pas. Et si je tombe, je crève ou pas. On va mettre en route ça. Voilà. C'est ça le souci. Alors, on va faire hop, faire ça, ça. Non, je peux pas aller plus bas. Hein. Alors, on va essayer en faisant une technique. Voilà, on va essayer de faire un pont. Non, c'est là. Je vais récupérer la corrupte. Bon, le feu, j'en ai pas besoin pour le moment. Et je vais essayer de descendre en faisant des espèces de ponts pour aller plus loin. Là-bas. Donc en récupérant. Déposer une torche ici. Voilà. Est-ce que ça peut descendre par là? Ouais, il semblerait qu'on arrive à descendre. On va y arriver, on va y arriver. Oui, je suis en train de crever, je m'en fous.
On peut descendre encore plus bas. Je ne sais pas. Bon, je récupère. Qu'est-ce que c'est ça? Cryptestone. Je croyais que c'était un trou avec autre chose. Faut vraiment que j'arrive à trouver un endroit pour bien descendre. Alors hop, on va faire hop. Tac! Ici, on se remet en mode crouch. Ça a l'air de pouvoir descendre par là. Et après, on essaiera de faire un chemin avec une échelle. Oups. Ça a l'air de descendre encore. Donc hop. Ah, boum. Bien sûr, on va éviter de creuser en dessous, hein. Ça a l'air de descendre encore. Mettre une torche. What? What? Non. Wouah! Comme il m'a fait trop mal! Comme il m'a fait trop mal ce machin! Ouah, les dégâts que j'ai pris! C'est quoi ce truc? Je suis descendu par où? Il est là! La saloperie! Tiens! Non, pas sur moi. Il va crever. Faut combien de milliards de bombes? Voilà. Loupé. Mon Dieu, mais ça a trop de points de vie, ces machins. Et en un coup, il m'a fait tomber plus de la moitié de ma barre de vie. What? Comment je vais passer ça, moi? Puis alors il est venu tout de suite, hein. Bonjour! Bam! Aïe! Parce que moi, faut que je récupère de la corruption, mais ça va être chaud, hein. Est-ce que... Alors, faudrait que j'arrive à me faire un endroit pour me protéger, pour qu'il puisse pas me toucher. Ou alors avec de l'eau régénérante. Il n'aime pas, peut-être. On va essayer, on va voir. Déjà, je me régénère, c'est déjà pas mal. Hop, je me mets en mode crouch. Il est où? Il s'est barré. Là, bah là, je suis remonté. Je peux pas descendre. Ah, mais je suis en crouch. Non, j'ai enlevé le mode crouch. Hop, voilà, je veux plus le mode crouch. Ouah, papa, bah, ça avait pas marché quand j'avais fait mes tests. Alors, faut vraiment être dans le centre. D'accord, ça n'avait pas marché. Alors j'ai du mal à descendre hein, quand même. Hein. Je vous le dis, hein, tout de suite. Hein. Bon, elle est où la bestiole? Bon, j'arrive pas à descendre plus bas. Ça bug, hein, ch'tichouïa. Ah, j'avais essayé et ça n'avait pas fonctionné. Ah, c'est Zarbi là. Bon, je me suis régénéré, c'est déjà pas mal. J'ai failli crever, avoir ma première mort. Comment je vais arriver à descendre moi? Parce que je sais que les bestioles elles en pas aimé l'eau. J'étais descendu par où moi? J'étais descendu par là. Parce que j'ai mis la torche. Putain, après il faudrait que j'arrive à me faire un truc, un tout droit là, une échelle. D'ailleurs je me demande si je vais pas commencer ici l'échelle. On va faire hop. J'avais quoi là? On va pas taxer un truc le machin? Ce serait ballot. Hop. Ah, ça a bloqué l'eau. Non. Voilà, là c'est mieux. Est-ce que je vais arriver? C'est horrible, hein? Là j'ai l'air de pouvoir toucher en bas. Ah, loupé, c'est pas grave.
Reloupé. C'est pas grave, ça me fait un support. Hop. Va foutre une échelle ici, on peut. Voilà. Je remets au-dessus. Voilà. Je remets. Voilà. Ok, ah bah si j'avais su qu'on pouvait faire comme ça avec les échelles, j'aurais fait ça plus tôt. Donc, j'ai foutu de ça ici. Et... C'est horrible. Parce que je ne sais pas où je vais. Donc on va faire hop. Oula! J'ai fait un bond là. J'entends une bestiole. Elle est là. Est-ce qu'elles arrivent à monter? Elles volent, elles. Ah bah en plus de toute façon elles volent. Bon, déjà, elles peuvent pas grimper, c'est déjà pas mal. Allez. Allez. Que j'arrive à récupérer de la corruption, ce serait top. Allez, allez. Oui, pardon. Excusez-moi. J'ai pu récupérer de la corruption. Donc, ça veut dire potentiellement pouvoir faire des items. Faire déjà là, ça, voilà, et pouvoir se faire les Diamond Armor Co. Waouh! Waouh! Bon, alors, ça va pas être super passionnant, je pense, mais je crois que... Alors, en plus, ils viennent de loin. On va essayer d'éclairer par là. Ok, là, je peux descendre maintenant. Ça, c'est cool. Je pense que j'ai atteint le fond. Enfin, que je suis dans le biome corruption. La bestiole de tout à l'heure. Alors, c'est, je crois, une des bestioles les plus fortes. Hein. J'ai vu que beaucoup de gens galéraient avec. Enfin, contre. Surtout. On va enlever le mode crouch. Où ça arrive. Elle est là. Hop. On monte à l'échelle. Viens là. Est-ce que tu montes pas, toi? C'est bien. Saloperie. Saloperie. Est-ce que je peux te flinguer? Ça saute en plus. Bon, tant qu'elle peut, elle me shoot pas, ça me dérange pas. Bon, elle me touche pas. Bon, je pense qu'il y a un bug, hein. Mais je vais en profiter. Vous avez, oh, le nombre de coups que je lui donne. La chose, mais c'est un bug. De Dieu. Waouh, tout ce que ça donne. Oh putain, j'ai déjà un morceau d'armure. Oh putain. Super extractor. Waouh, de Dieu, tout ce que ça m'a donné. Waouh. Pardon. What? Oh putain. Bon, c'est pas top hein, de farmer comme ça, mais donc... Voilà, je peux apprendre. J'ai appris deux nouvelles recettes. J'ai un morceau d'armure. Je vais pas me gêner à l'équiper hein, tout de suite. Ça me rend quand même un petit peu plus costaud. Je pense que je vais bientôt réutiliser notre potion. Oh putain, énorme! Bah alors le nombre de coups que j'ai dû lui donner, impressionnant. Mais tant qu'à mon avis, je ne suis pas armé d'une arme vachement plus puissante, ça va être super méga chaud. On va éclairer, hein. Donc je suis arrivé dans le biome corruption. Vive les échelles, hein. Est-ce que je peux récolter? Non, il me faut le luminite. Alors, de la luminite. Ça c'est quoi? Corrupted wood. On prend, ça servira pour le... Pour le mur. Putain, j'y crois pas. Ça c'est quoi ça? Luminite? Oh con, putain. Oui, désolé. J'éclaire un peu autour hein, pour être tranquille. Pour éviter de me faire trop agresser. Ou les voir venir surtout.
Bon, j'ai la corruption qui monte, vous inquiétez pas, je le vois. Est-ce que je peux en faire? Non, j'ai pas pris et je peux pas en faire comme ça. Ok, bon, c'est pas grave. Oh l'horreur! Oh les monstres costauds quoi. Je me prépare hein, au cas où. Ça, si je rentre dedans. Corrupted Water. On va peut-être pas rentrer dedans non plus. Hein? On va essayer de récupérer. Alors je pense que ça va durer 3 ans pour récupérer ça. Ok, 5 minutes pour en récupérer 4. Mais j'aimerais bien les récupérer. J'ai pris un téléporteur ou pas? Non, j'ai pas. Si, si, je dois en avoir sur moi, mais pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je vais aller récupérer cette torche ici qui, je pense, pour moi, ne sert à rien. J'ai d'ailleurs récupéré l'échelle aussi. J'ai réussi à descendre. Nous sommes dans le monde de la corruption. Pour le moment, je ne me fais pas trop agresser. Là-bas, il y en a un. Mais bon, si, comme l'autre, là, je prends un coup, je me fais défoncer en deux. On va éviter. Hop. On remonte. Allez, j'essaie de rester les 5 minutes. Alors, je vais pas trop bouger. Parce que j'ai pas trop envie de me faire agresser. Corrupted Stone. Bon, il y a tout qui se ressemble. Corrupted Wood. Corrupted Leaves. Tiens, récupère-moi-en. Ça me servira dans le mur des... Là, il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Ça va être une bestiole. Je sais pas ce que c'est du tout. C'est peu engageant. C'est dingue, hein, c'est... Ici, je peux récupérer de toute façon. Est-ce que j'aurais pas une autre torche que je pourrais récupérer un peu plus haut? Celle-là... Je suis arrivé par où? Je ne retrouve plus par où je suis arrivé. Bon, c'est pas grave, je la récupère. À mon avis, je suis arrivé de par là, j'ai dû sauter un moment. De toute façon, il y a de quoi remonter facilement par là. Ah, il y a la torche qui est ici. C'est bon, c'est par là que je suis arrivé. Donc je vais la placer ici. Je vais caler 2 échelles, comme ça, je me souviendrai que c'était... Non, là, je voulais l'échelle. Viens ici, toi. Une... Oh! Fous-toi de moi, toi. J'ai dit ici l'échelle. Voilà, et là. Ça, hop là, voilà. Je vais caler des murs ici pour éviter de me prendre une gamelle en allant trop vite. Voilà. Je vais faire pareil ici d'ailleurs. Je vais me faire un chemin un peu plus sécurisé en attendant que ça récolte. What? Pourquoi je me suis fait éjecter comme ça? Voilà, ça fait un chemin un petit peu plus sécur. Comme ça, j'ai l'échelle ici. Donc je peux descendre tranquillou. J'ai un truc de régénération. Oh putain, ça arrive. Oh bah tiens, on va voir ce que ça donne cela. Allez, viens par là. Viens. Voilà. On va utiliser la technique de relou, hein. Il est où? Il est là. Il a disparu. Ah, ils aiment pas l'eau. L'eau, ça les tue. Bon bah je vais virer l'eau alors. Normalement. Ça va annuler toute l'eau. Zut! Normalement, toute l'eau va disparaître. Là, il y a un truc. Là, c'est bon. Oula. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai pas pris trop cher. Allez, est-ce que tu m'en as récupéré un ou deux? Oh, trois, c'est bon, allez. Plus que 40 secondes. Après, je vais vite remonter. On va essayer de se crafter la meilleure arme. J'ai déjà une partie de l'armure. Là, je crois qu'il y en a encore, mais c'est un peu loin pour le moment. Je vous dis pas, je stresse à peine. Est-ce qu'il y a du mob autour? C'est à peu près ce qui ressort. Est-ce que je vais me faire défoncer par un mob? Parce que l'autre, il m'a mis un coup, j'ai perdu les trois quarts de mes points de vie. C'est sympathique. Ouais, t'as fini l'extracteur? Il a fini. Est-ce que j'aurai assez pour me faire une arme? De toute façon, c'est la corruption qu'il me faut pour l'arme. C'était pour les armures, je crois, l'autre. Est-ce que je pourrais me faire le torse? Ah mais non. Il me faut encore la corruption de dust pour le torse.
Et ça, il faut quoi? D'accord, il faut de la luminite pour faire le cran au-dessus. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la musique. Ouf, ça m'a foutu la trouille. Ok, je vais aller me faire la meilleure arme, ce que je peux maintenant. On va pas se gêner. Alors, je vais y aller rapido, je vais y aller en téléportation. Hop. Voilà. Hop, ça c'est génial ce truc de téléportation, mais... Alors, pour être tranquille, pour pouvoir me le faire, je vais faire hop, je vais me le mettre en tracking. Je vais enlever celui-là. En... Non, celui-là c'est déjà fait. Ah, et celui-là, il me le faudrait aussi en tracking. Oh putain, combien il en faut? Il en faut 10. Waouh! Et de la luminite 4. Ok, le reste, c'est pas le problème à faire. Donc il va falloir récupérer un max de corruption. Wap, 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 wap. Non, c'est la potion de corruption qu'il faudrait que j'enlève. Voilà, j'ai plus besoin pour le moment. Donc, pour me faire la Diamond Sword, il me faut 3 diamants. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Il me faut 2 Iron Odd. Donc l'iron doit être là. Oh. C'est pas là que j'avais mis mon iron? J'ai pas utilisé tout mon iron quand même. Voir, je l'ai posé n'importe où. Là, voilà. Hop. Après, il me faut... Donc, il faut un iron rod et un obsidian rod. Donc, un iron... non, c'est quoi? Un iron rod. Donc... Voilà. Un obsidian rod. Mes articles, machin. Alors là, va falloir que je les retrouve. Bonne chance. 3 heures après, il a peut-être retrouvé dans ses milliers de coffres. Je dis, il faudrait que je range, le joueur. Non. Est-ce que j'en ai encore? Sinon, il va falloir que j'aille en chercher. Non. Non. Je les aurais tous utilisés. Comme un boulet. Non. Non plus. Tiens, ça je sais, je t'ai vu tout à l'heure. Non. Non, non, mais boulet comme je suis, j'en ai plus. D'accord. Bon, ou alors je les ai loupés. Non, ils sont là. Ah. J'avais bien que j'en avais quand même. Ça, j'ai vu que j'en avais d'autres ici. Non, pas dans celui-là. Alors dans celui-là non plus. Dans celui-là non plus. Donc c'est le dernier. C'est ça, gagné. Hop, voilà. Donc là, j'ai fini une partie. On récupère. Ici, ça va bientôt finir. 2, 1. Tac! Et maintenant, on va se faire la jolie petite épée en diams. Donc maintenant, on peut faire le cran au-dessus. Mais alors, oh là là, la corruption de dust qu'il faut. Alors tout le reste, mis à part la luminite et la corruption de dust, j'ai. Je peux en faire à foison. L'arkstone, il faut. Ok, waouh. Alors, combien elle fait de dégâts cette nouvelle arme? Parce que si je me mets ici, je suis à 60. Et si j'équipe celle-là. Je suis à 70. Ça fait que plus 10. C'est pas énorme au niveau des dégâts, je trouve. Après, donc je vais dégager celle en bois. Je sais pas pourquoi je me la trimballe depuis le début, celle-là. Elle ne sert à rien. Je vais poser des trucs que je me semble inutiles. L'armure, on verra après. Le dust, on va garder. Luminite or. Ça, on va faire un petit coup ici. Mettre ça, d'accord. Et par le bois, il en faut 2, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, elle me les faire. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai des trucs sur moi. Je ne Corrupted Wood, oui, ça va me servir pour mon mur. C'est vrai, ça va me servir pour mon mur. Mon mur, mon mur. Je suis en train de réfléchir. Donc, la Diamond Sword, j'ai plus besoin de ça. Jack. Et maintenant, il faudra que je récupère le reste. Alors, bon. Je regarde l'avancée de l'épisode. Je me dis, ouch. Alors, j'ai récupéré des trucs. Est-ce qu'on va pouvoir les placer? Parce que ça, la Corrupted Stone, je crois que je ne l'ai pas encore placée sur le mur. Ça non plus. Ça, c'est une nouvelle, une gaz lampe. Ok. D'accord. Et prevent creature spawning, la gaz lampe. Ok. Et les autres, ça dit quoi? Et prévente créature spawning. Ok, donc ça marche bien.
J'avais un doute, maintenant on est sûr que ça marche. Oui, je voulais récupérer du charbon. Donc mon charbon est quelque part. Non, ça c'est là. Hop, j'en ai un là. Viens ici, voilà. Ah oh, là, j'en ai plein ici. On va se faire plein, 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 plein de torches. Enfin, plein. Quelques-unes quand même. Allez, 53 torches, ça devrait suffire. Ça devrait bien aider. On va aller continuer à explorer. Allez, ça je m'en fous, je le mets là. Grand arc. Tiens, on va voir combien de places ça met ça. Combien ça permet de caler des items. Faut que je trouve une place. Allez, là en plein milieu. C'est le grand coffre, il a le droit d'être en plein milieu. Alors, grand artectable. Bah alors. Ah mais non, c'est juste un plaçable. D'accord. Et on fait rien avec. Ok, ça va plutôt aller dans la maison. Hop, on va les poser dans la maison. Puis on fera des chaises après. D'ailleurs, il faut une maison qu'il faudra que je termine au moins le sol. Déjà. Allez, hop, on va mettre la table par ici. Puis on mettra des chaises après autour. On verra bien. Ok, je vide un petit peu plus mon inventaire. Je descends un tout petit peu encore. Pour quelques minutes. La gaz lampe, je l'ai apprise ou pas? Ouais. Ok. La gaz lampe, on va peut-être la mettre déjà là, comme ça. On va voir jusqu'où elle éclaire, ce sera sûrement mieux. Je vais déposer des trucs. Ça, ici. Ça, ici. Voilà, ça. Ça, là. Ça, là. Ça, on s'en fout. Les stun potions. Ah bah oui, c'était les bombes que j'avais à l'endroit où ça a disparu. Ça y est, ça j'en ai plus besoin pour le moment. Ça j'en ai pas besoin. Ce sera des trucs à placer pour le mur. Donc on va refaire plutôt comme ça et comme ça. Voilà. Et on verra après. Allez, hop, je redescends rapidos. Je vais passer les dernières minutes un petit peu en bas à essayer de voir si on peut éclairer un peu plus loin. Essayer d'aller un petit peu plus loin dans la zone, mais là ça va, on a. J'ai commencé à voir un petit peu. J'ai une arme un peu plus puissante. J'ai réussi à dropper un item sympa sur un des. C'était The Things. C'était. En speed. Voilà. Bon là on se prend un peu de feu, mais on s'en fout. J'ai encore 9 potions de corrupt. D'ailleurs, on va peut-être fermer là. Ça et. Peut-être récupérer la torche au passage, voilà, et je vais fermer la zone. Voilà. Alors, est-ce que ça va faire popper des monstres ici, en fait? Alors, dans le doute, hein, voilà. Voilà. C'est pas grave, hein, de toute façon. Les torches, j'en ai comme il faut. Je vais fermer là aussi. Pour éviter de me prendre une gamelle, parce que là, on s'est trouvé un petit chemin qui va bien. Alors. Il semblerait qu'il n'y ait pas de créatures autour. Pour le moment. Et on va torcher. On va voir, tiens, jusqu'où tu éclaires, toi? Ah ouais! D'accord. On la récupère là. On va la caler plutôt derrière. Comme ça, j'aurai tout le tour. Là. Ah ouais, ça éclaire vachement loin. Bon après c'est peut-être plus difficile à faire. Moi je voudrais qu'il y ait des bestioles qui s'approchent. Que je puisse bourrer pour récupérer de la corruption. Là il y en a une là-bas. Mais tout à l'heure il y en a une qui s'est approchée mais malheureusement elle est morte. L'eau, je suis pas sûr que ce soit. Allez, je tente. Ok, on prend des dégâts dans l'eau. Voilà, il fallait savoir ce que ça faisait. Maintenant, on le sait. Ok, là, il y a un chemin. Ça va être chaud, hein. Alors après, si, avec une popo de corruption, je crains rien dans l'eau. On va tester. Non, on prend des dégâts. Donc, je pourrais pas me protéger des bestioles. D'ailleurs, il y en a une là. Tu peux pas venir me voir s'il te plaît. Comme ça je monte à mon échelle.
Là-bas, il y a l'air d'avoir de la luminite. Il va vraiment falloir que je me fasse des... Alors, je sais, je suis un fada. Je vais te faire un chemin pour que tu viennes jusqu'à moi. Ça te va? Comme ça, je vais te bourriner après. Enfin, si ça te dit! T'as l'air d'être costaud quand même, hein, sale bestiole, va. Allez, encore un. Et là. Maintenant, tu peux venir, non? Voilà. Viens. Voilà, viens. Allez. Allez. Approche. Oui, tu vas y arriver. Voilà, en espérant pas me faire défoncer la tête. Ah, il a fait son pouvoir là. Viens là. Oula! Faut leur en donner un paquet de coups, hein. Une petite potion, de la corruption et du... Bon, des trucs de base. Ok. Bon. C'est horrible. C'est horrible. Bien, bon. L'épisode va s'achever là. Déjà, je pense que j'ai fait un grand pas vers la corruption. J'entends quelqu'un arriver. Ça a l'air d'être un volant. Ouais, ça arrive. Hop. On se met sur l'échelle. Approche. J'ai envie d'un peu de corruption. C'est bien, tu ne touches pas, c'est nickel. Faut taper un paquet de fois quand même, hein. Sale bête. Bon, ok, encore de la corruption, cool. Enfin, la corruption de Dust. Bien, donc je vais stopper l'épisode là. La prochaine fois, ben, ce sera l'exploration. Peut-être un petit peu plus en profondeur encore. On va aller encore plus loin dans dans le biome de la corruption. En espérant ben, choper tous les items pour pouvoir se faire les armures et autres qui nous manquent. Et puis après, ben, on verra. Je pense que le but, de toute manière, sera d'essayer de faire... Le stuff diams. Je pense d'ailleurs, je peux déjà me faire une bonne partie du stuff. Je peux quasiment me faire. Si j'ai acheté de, si j'ai assez de Rainbow, je peux me faire le stuff. Le stuff diams tout de suite. J'en ai 6. Je peux me faire le stuff diams tout de suite. Donc je vais pas me gêner. Hein, il faut du diamant. Donc mes diams, ils sont là. En plus, j'en ai 3 milliards. Et il faut. Ah! C'est les temples, c'est pas les iron, c'est là, c'est pas les iron bars standard, c'est les, je vais y arriver, c'est les tempered iron bars. Ok, là j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, et ça il me faudra de la luminite pour la prochaine fois, et le reste j'ai, troghorn j'en ai et de la luminite, d'ailleurs la luminite j'en ai 2. Donc je pourrais déjà en plus même me crafter un comme ça. Mais je pourrais pas me faire les autres. Bon, c'est pas grave, je vais me faire le stuff diam. J'ai envie d'avoir tous les stuff. Alors, il me faut 4 comme ça. Il m'en faut plus même. Il m'en faut 2, 4, 6. Non, j'en ai déjà un. J'ai déjà ça. Donc, 2, 4, 6. Ok, il m'en faut 6. Donc, on va faire ça. On va faire ça, j'en fais 1, 2, 3. Donc ça va me ramener sûrement... D'accord, le Luminite Wall. Et... 1, 2, 3. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ce sera juste le temps. Je fais des morceaux d'armure. Et après, je couperai l'épisode là. Donc quand ils veulent. Ok, 1 minute pour l'ensemble. Donc en tout, ça va. En attendant, tiens, on va regarder qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant. Est-ce que je peux me faire des meilleures torches? Tiens, en attendant, est-ce que... D'accord, il faut du stone, il faut de la glace. Parce que la gaz lampe là... Oh, le fossile, j'en ai 3 tonnes.
Oh oui, et ça? La blue lampe. Non, mais le fossile, j'en ai 3 tonnes. Que je sais pas quoi en faire de ce fossile. Ah ben voilà, on va savoir maintenant quoi en faire de ce fossile. Alors là, j'en avais 2, mais j'en ai ailleurs. Hop, ça doit être... On va trouver, on va trouver. C'est bon, on va trouver, on va trouver. Où es-tu, fossile? Où es-tu? Sérieux, faut vraiment que je range. Bon, là, c'est bon. Mais j'en avais récupéré 3 tonnes du fossile. Je l'ai loupé ou quoi? On recommence. Là. Donc, fossile. On va faire, hop, plutôt. Tchac. Il me faut de glace. Ça, glace, je crois que j'en avais en stock. Est-ce qu'il m'en restait en stock? Donc là, on va récupérer. Là. Bon, sinon, la glace, je lancerai. Non, voilà, j'en ai plein là. Voilà. Après, il me faut du colle. Donc, je l'avais reposé par ici. Je l'ai retrouvé. Ouais. Non. Non plus. Alors, ça doit être dans ceux-là. Colle, voilà. Et il nous faut obsidian rod. Donc, j'en avais fait. Donc, on va utiliser ceux que j'avais fait, que j'ai posé là. Et j'ai vu que j'en avais là. Pas dans celui-là, donc dans celui-là. Voilà. Parfait. Donc je vais pouvoir me crafter cette nouvelle lampe. Qui est fort, fort sympathique. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ça m'en fait 20 comme ça. 20 lampes super puissantes. Celle-là, je les garde de côté en attendant. Après... Ta-da-da-da-ta-da! Ta-da-ta-da! On se fait l'armure. On fait l'armure. Et on fait l'armure. Ça y est. On est bientôt en full diams. Voilà. Allez, c'est parti. On finit l'épisode sur une armure full diams. C'est cool. Voilà. Bien, j'espère que le petit épisode vous a plu. Donc, prochain épisode, vendredi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook et sur le groupe Steam. J'en étais... Oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Petit pouce down. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye. Welcome to Gunship.